Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter trois nouvelles autos qu'on propose à la vente au magasin. En commençant par la Doyenne, un 1954, une ovale feu à cœur, une auto qu'on avait importée de Suède il y a quelques années pour notre ancien sellier. Nos abonnés s'en souviennent peut-être, le Pivert avait refait toute la sellerie de cette voiture et roulé avec quelques temps. Et elle avait séjourné pendant pas mal d'années dans une collection privée. Et aujourd'hui, elle vient de re-rentrer à la vente. Donc coloris Strato Silver, elle a encore son petit drapeau suédois ici. Donc modèle à flèche bien sûr. Les feux à cœur qui sont les caractéristiques des ovales de première génération avant 1955. Les portes nervurées. Les portes nervurées, les poignées nervurées. La sellerie qui est magnifique, est à neuf. Ciel de toit en mohair. Par soleil spécifique. Voilà, une auto prête à rouler avec son pied moulé matching number en 30 chevaux. Également sa boîte de vitesse split case. Voilà, un beau modèle, donc déjà immatriculé en France. Carte grise collection, bien sûr. Après, la suivante, légèrement plus récente, c'est une ovale de 1956 qu'on vient de recevoir de Grèce, qui a été restaurée par le garage BBT en Grèce, ovaldine.com. Une restauration qui a une bonne dizaine d'années, mais qui a relativement bien vieilli. Il faut dire que la Grèce, c'est quand même un climat qui épargne bien l'humidité, donc les autos souffrent moins que chez nous peut-être. Quelques entorses à l'origine, notamment un moteur 1200 cm3 plus récent en 34 chevaux et une boîte de vitesse synchronisée. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des boîtes non synchro, des boîtes des années 50, là on a une boîte synchronisée. Voilà, l'auto est propre, prête à rouler également, sans aucun travaux. Elle a été restaurée en conformité avec son certificat de naissance qui est présent avec le véhicule. Voilà. Et puis pour finir, ce petit bijou, une 356C, matching number également, moteur upgradé en 1750 big bore, 1750 cm3. C'est une voiture qu'on a restaurée l'an dernier entièrement ici au garage. La sellerie en cuir, coloris camel, n'est pas le coloris du tout d'origine puisqu'elle était en sky noir, mais au choix du précédent propriétaire, on avait fait cet assortiment de sellerie qui est très très belle. Un travail magnifique, ciel de toit neuf, alors bien sûr toit ouvrant, ce qui en fait une option supplémentaire non négligeable. Voilà, quelques petites modifications comme le rétroviseur GT, les baguettes GT de pare-choc. C'est une voiture qui venait des États-Unis et on a encore la facture d'origine de 1964 de chez Porsche Brumos aux USA. Document assez historique qui est plutôt sympa. Voilà donc, un volant Nardi qui a été recouvert de cuir également. Voilà. Petite moquette, tout est neuf dans cette auto, tout à moins d'un an au niveau de la restauration. Donc relativement propre, une peinture noire polyillustrée. Voilà donc, retrouvez ces trois voitures dès ce soir en galerie photo détaillée sur notre site internet. Le petit lien info tarif pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations complètes sur les autos, notamment les documents, sachant que les trois autos seront bien sûr proposées en papier français, immatriculées en France, si vous le souhaitez. À bientôt, ciao.